Vous avez sans doute cru que j'allais oublier. Eh bien non les amis, je n'ai pas oublié, j'ai lancé un concours. Je tiens ma promesse, je vais filer 50 balles à celui qui a fait le meilleur record sur ma map edit sans faute. Donc voilà. Alors il y a environ un mois, j'ai lancé une map edit sur laquelle il fallait tout simplement faire le meilleur temps, se filmer et envoyer la vidéo sur YouTube avec un petit hashtag dans le titre. Le premier gagnant, je lui filais 50 balles et le deuxième, je lui filais un clavier. Donc les amis, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est là qu'on regarde les meilleurs temps. Donc il y a vraiment des mecs qui sont vraiment chauds. Donc cette vidéo signifie que c'est la fin de la map edit. On va passer sur YouTube, voir un petit peu le record et puis on va déterminer le gagnant. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner les gars, si c'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça ferait vraiment très plaisir. Franchement, n'hésitez vraiment pas, c'est grâce à vous que la chaîne avance. Donc allez-y à fond, abonnez-vous et pourquoi pas déposer un petit like, hein, puis commenter, comme ça je regarderai un petit peu tous les commentaires. Si vous avez des petites idées, des choses à me partager, c'est dans les commentaires. Donc c'est parti les amis. Et bien heureux, donc on va rechercher tout simplement sur YouTube le hashtag VixEdit et on va regarder c'est qui le meilleur. Donc là on a 16,54, ici on a, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait 16,56 avec un fail du coup. Ensuite ça c'est un troll. Ok, donc je vais regarder un petit peu tout et je vais vous dire le meilleur temps. Il y a eu pas mal de participations manettes, ça fait vraiment plaisir les gars. Du coup je pense que les meilleurs temps ce sont ceux qui sont en haut. Il y a eu beaucoup de participations, ça fait vraiment très plaisir les gars. Sincèrement ça fait vraiment très plaisir qu'il y ait des gens qui jouent le jeu. Donc franchement ça me motive en fait tout simplement pour en refaire. Du coup les meilleurs records ce sont ceux là. Donc c'est 16,54 et 16,56 avec erreur entre guillemets. On va voir si l'erreur est flagrante ou pas, parce que là en fait on avait déjà vu celle-là, j'avais pas vu en live je crois. Ok, donc je vais check tout simplement vite fait voir si tout est parfait dans toute la logique. Il y a pas en fait de faute. Et ouais, du coup ce mec il est très chaud. Il est très chaud. On va dire entre guillemets que c'est le deuxième, même si en fait je sais pas comment faire les amis, parce que j'ai dit au début sans erreur, mais là genre en mode l'autre vidéo, le mec il est à 16,56 avec erreur entre guillemets. Mais du coup en fait je sais pas, ça dépend de l'erreur, si l'erreur est grande ou pas. On va voir. En tout cas bah ça se voit que le mec a bien tryhard la map. Et c'est bah, totalement ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner en fait. Et ouais, du coup lui je l'avais remarqué, il avait fait un petit record et j'avais tout simplement regardé sa vidéo. Et puis voilà, et là depuis s'est amélioré comme vous pouvez voir avec son record bah, de 16,54. Ok, donc les 90 il les faisait en deux fois entre guillemets. Il sautait puis après il... enfin en fait c'est bizarre mais ouais, je vois un petit peu comment il faisait. Ok, donc là, ouais, aucun fail, logique. Là, par contre, c'est très, très différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Il se met sur ce côté-là. Alors, ouais, c'est sûr que c'est peut-être plus pratique. Moi, j'étais pas du tout comme ça, moi. Mais ouais, c'est sûr que c'est plus intelligent. Ok. Là, petit boost. Là, ouais, bah, là, il n'y a pas de technique, hein, les gars. Là, il n'y a pas de technique, réellement. Tac, tac, ouais. Ah, ok, il l'a fait comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, parce que, genre, en mode là, c'était genre devant, en fait, qu'il fallait dire, mais c'est pas grave. Ok, donc là, l'édit en 2. Ouais, pourquoi pas. Là, il va monter comment? Ok, là, les gars, franchement, cet exo, c'est vraiment un truc qui fait perdre beaucoup de temps si vous l'anticipez pas bien. Là, ok. Ok, ah, il s'est fail quand même. Là, il s'est fail, j'aurais le seum parce que vraiment, ça lui a fait perdre, je pense, une seconde, je pense. Une seconde et demie, je pense. Ok, donc, ouais, il s'est fail dans le truc. Là, on va voir s'il fait des petits fails ou pas, parce que c'est ici que les fails surviennent. Enfin, moi, personnellement, c'est mon cas. Dac. Donc, aucune erreur pour le moment. Il a réussi à se boost. Il a réussi à se boost, genre, avec pas beaucoup d'espace. Ça, c'est très stylé. Ok, donc là, je vais voir comment il fait. Donc, il tire comme ça. Mon téléphone qui arrête pas de s'ouvrir quand je dis ok, parce qu'il croit que c'est Google. Non, mais c'est un truc de ouf. Vraiment. Là, ouais, donc en fait, il est juste très rapide pour faire ça. Ok, donc là, 16,54. 16,54, il a pas menti. 16,54. Et l'autre, c'est Vorax qui nous fait un petit 16,56. Donc 16,56, c'est énorme, les gars. Vraiment, enfin, c'est énorme dans le style, du style en mode. Genre, c'est un monstre pour faire 16,56. Réellement. Ok. Ah ouais. Ok, donc là, il a fait un boost. Je sais pas si on... Ouais, en vrai, les gars, je pense que je vais compter quand même. Genre, vraiment. Je vais compter quand même, parce que... Non, en vrai, ouais. À part si je vois l'erreur. Si c'est une erreur grave, ça dépend. Bon, il a gratté une petite seconde en faisant un boost, je pense. Enfin, peut-être pas une seconde, mais il a gratté pas mal, quoi. Là, il a failli se fail. Il a failli se fail, mais... Tant mieux, c'est pas fail. Il a pu se boost deux fois pour aller au fond. Dac. Ah. Ouais, il y a eu un petit truc. Je pense qu'il pourrait faire réellement plus rapidement, là. Donc là, il n'y a pas de technique particulière, hein. Faut juste vraiment avancer et bien anticiper et ne pas se prendre un mur.
pour ralentir. Là, il va se boost. Ok, donc ça, c'est une technique que j'ai déjà vue sur plusieurs personnes qui ont fait la map. C'est de se boost en même temps de monter en escalier. En fait, ça vous permet de prendre de l'avance de ouf. Donc là, il le fait entre guillemets en deux. Regardez, il saute et après, il repose quand même. Genre, il saute, il pose et il repose. Enfin, je sais pas comment dire, mais du coup, ça, c'est à skip la meilleure technique pour pas que ton personnage soit essoufflé. Parce que quand vous le faites en deux, votre personnage est essoufflé. Donc j'avance un petit peu. Hein. Franchement, j'avance un petit peu, les gars, parce que. Dans les exos simples, on va pas regarder chaque truc. Ok, donc là, en fait, du coup, ça dure environ... Ok, donc ça dure environ 3 minutes. Du coup, 16:56, pour ceux qui veulent savoir. 3 minutes 10 environ, donc voilà. Oh non, ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Mais en fait, des fois, les gars, j'oublie vraiment des trucs. Ah, là, oh, oh putain, il s'est fail. Il s'est fail, il aurait pu gratter encore plus de temps. J'ai vraiment le seum pour lui, parce que là, vraiment, il a fait un fail, genre, tout banal, genre, tout con, je veux dire. Ok. Là on va voir comment il a fait. Ah ouais, là il est vraiment rapide, hein, vraiment. Il est vraiment rapide. Il faut avoir le bon timing pour descendre comme ça. Il a le bon timing. Là, ok. Bon bah là du coup le truc c'est pas de se prendre un mur. Ah, un fail. C'est là, je vous ai dit en plus que c'était là que les fails venaient. Donc un petit fail au niveau de l'edit double. Ouf, ah oui quand même. Ouais, franchement je sais pas comment ils font les gens pour faire ça. Vraiment compliqué à faire personnellement je trouve. Hein. Ah il a pas oublié, non ok je crois pas. Okay, donc en fait là, le truc c'est qu'il a oublié un carré et une edit. Enfin, il s'est fait sur une edit, il a oublié un carré. Donc là, du coup, 16:56, on va re-regarder. Oui, il y a du Philippe Etchebest, vous enjaillez pas, les gars, c'est complètement normal. 16:56, ok, 16:56, bon. Donc ce qui est cool, c'est que, vous voyez, les vidéos comme ça, enfin, du coup, là, le mec, il a fait presque 2000 vues. Là, il a fait 500 vues, bon, il en a pas fait énormément par rapport à lui. Mais bref. Moi je trouve ça cool qu'il y ait un engouement en fait derrière tout ça. Et bah je sais pas en fait comment déterminer le gagnant là. Du coup je sais pas comment faire. Je pense non honnêtement que ce sera lui le gagnant même s'il y a une erreur. Et bah lui il gagnera le clavier je pense. Donc on va aller contacter et puis voilà j'allais sur Twitter. Et puis voilà donc ce sont eux les deux gagnants. On peut tous mettre un petit GG les gars dans le chat. Donc voilà mais sachez qu'à chaque fois que je fais un concours j'envoie le clavier. Là j'ai aussi oublié que je dois faire gagner un clavier à touche ronde. Donc voilà c'est juste que ça traînait, j'étais en vacances et tout. Mais j'oublie pas, comme ce concours j'oublie pas les gars. Donc voilà franchement n'hésitez pas à mettre un petit GG dans le chat pour tout simplement vous dire GG à tous ceux qui ont participé. Et aussi aux gagnants, ça ferait vraiment très plaisir. On va aller contacter Vorax les gars et on va lui passer 50 balles sur PayPal. Ok les gars donc là on va payer, je vous montre pas l'adresse mail. On va payer 50 balles et puis voilà tout simplement je vais flouter parce que le nom va s'afficher. Et puis voilà, GG à toi, les 50 euros ont été envoyés. Voici les MP avec le gagnant. Voilà, je foutrai un petit peu les adresses mail parce que sinon bah c'est pas très sympa. Et puis voilà, GG encore à toi. Et puis voilà, bravo à toi tout simplement, tu as gagné. Ensuite les gars, on va aller sur le tuteur du deuxième gagnant. Je dois lui envoyer un clavier. Donc voilà, on est sur son compte, on va lui envoyer un message. Donc voilà, je vais attendre sa réponse, je vais m'occuper de ça. Et puis tout simplement les gars, dans le plus grand des calmes, je vais à la poste lui envoyer le clavier. Le clavier vert qui est juste là. Voilà, il commençait à prendre la poussière, franchement. Il me tenait un petit peu à cœur, je le trouvais vraiment super bien. Bon, c'est pas grave. Voilà, il sera pour lui. Et puis, tout simplement, les gars, j'espère que je pourrai refaire de ce genre de concours pour pouvoir vous faire plaisir. Parce que ici, on fait plaisir. Donc voilà, les amis. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jix.